Et salut à tous, c'est Akano3 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 6 du Let's Play sur The Ultimate Doom. Vous l'avez compris, c'est le premier Doom, etc. Donc, putain, c'est pas un bail que j'ai pas filmé, ça fait bizarre. YouTube, ok. Bon, je spawn avec mon pénis en forme de pénis, mon arme en forme de pénis là, ok. Putain, ça fait un bail que j'ai pas joué, je m'en rappelle même plus. Là, je suis dans un truc chelou. Je suppose que je dois appuyer sur des boutons, c'est ça? Moi, je crois qu'il me manque. What the fuck, c'est quoi ce bordel là? Il me manque encore. Je crois que c'était le dernier, mais c'était ce... là c'est le niveau du boss, il me semble. Et après, il me restera que deux chapitres ou un, et j'ai fini le jeu. What the fuck, c'est quoi ça? Ça, c'est vraiment chelou ce jeu en fait. Hein. Ok, là c'est des. Attendez, c'est quoi déjà la sauvegarde automatique? C'est F8, il me semble? Non. F9, you pick a quick, ok. Merde, c'est pas ça, c'est F7? Ouais, c'est F7. Merde, non, putain, je recommence du début. Attendez, je vais regarder, putain, je vais regarder dans les menus. C'est là, read death. Save. Quick save, c'est F6, putain. Ok. Bon, c'est reparti, désolé, le faux départ. Du coup, c'est F6, ok. Hop là, on va faire ça, on va se mettre. Avec le shotgun. Lui, on va le tuer tranquillement, on va prendre les munes. Il me semble que j'ai vu. C'est quoi le bruit? C'est le bruit là, sérieux? Oh, je crois qu'il y a le boss. Non merde, c'est pas là. Hop là. Sauvegarde rapidement, voilà. Je crois qu'il y a un boss ici, hein. Putain, mais. Dieu, pardonnez-moi, c'est quoi ce truc? What the fuck, il est où ce putain de boss là? Pour l'instant, je vois que des têtes à deux balles là. Et les vénères. J'ai bien envie de voir à quoi il ressemble ce putain de boss du deuxième chapitre. Oh là là, bazooka. En gros, là, ouais, il me prépare à la guerre en fait. Bazooka, je l'ai déjà, je crois. J'entends les bruits là, j'entends les pas du mec. Hein. On va se regarder. Putain, mais c'est quoi ces trucs sataniques là? Il est où ce bâtard? Il a une tête. Ok, on va prendre les munes. Pick the. Ok. Du coup, il est où ce bâtard? Putain, on dirait les mobs dans Mario Super Mario 64, là, les mecs qui s'écrasent et tout, là, putain, c'est ouf. Bon, c'est pas que c'est pas drôle, mais là, j'aimerais te trouver, quoi. Ah, je l'entends de plus en plus près. Ah, il est là! What the fuck, c'est un Minotaur. Attends, je regarde. On va le bourriner la gueule. Donc c'est lui le boss là. Il a une arme dans les mains. Et il a un lance-roquette. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des munitions en fait. Mais bon, on le gère, on le gère, on le gère. Je vais sauvegarder. Putain. Ça dégage. Non, il m'a tué! Comment on fait déjà pour le. C'est ça, je crois, Quick Load. Ouais. J'ai 19% de vie. Putain, mais il est chaud, ce bâtard! Faut que je prenne de la vie, là. Oh la pute, j'ai pas sauvegardé en plus. Attendez, attendez, j'ai pas l'arme, la bite, là. C'est laquelle déjà? C'est pas ça. 6, c'est ça. On sauvegarde. Si je mets pas les balles dans le corps, il y a un souci. On va sauvegarder. Allez, tu vas dégager. Il ressemble vachement au Minotaur là qui te fonce dessus là. Je sais pas si c'est efficace sur lui, mais. Il est mort? What the fuck? Ah bah c'est... Wow! Bon là on va le traduire plus tard parce que je comprends pas trop l'anglais. Attends, you don't need... Ok. Les monotos... Ok, je comprends. Moonbase... Baise. Moonbase, putain de merde. Where are you, Claire? Ouais, je crois qu'on va aller sur la... Merde, ouais. On va aller sur le... On va changer de chapitre, là, du coup.
Ok, là ça marche. Bon, ok, bah là on a fini le deuxième chapitre. On va commencer le troisième dans cette vidéo. C'est cool, on avance petit à petit. Bah en fait, là c'est le dernier, là le troisième chapitre, c'est le dernier du jeu. Mais dans cette version, vu que c'est l'Ultimate 2, bah en fait y a un chapitre bonus. On verra si on le fera, je sais pas, parce que je sais qu'il est. On verra si on va le faire, je sais pas, franchement. Je sais qu'il est grave dur. Non, c'est un chapitre bonus, c'est pour les. Tu vois. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, après je dois aller. Ok. Du coup là, on va faire news. New. Allez, putain, merde, c'est quoi ce bordel? Hop là, voilà, là on a fait le premier Nidipi, je sais pas quoi là. On a fait le deuxième, et là, troisième Inferno. Et là, c'est le quatrième, ce que je disais, mais c'est un truc bonus. On verra si on le fera, je sais pas. On verra bien. Bon, allez, let's go, on va commencer le troisième. On va rester en moyen. What the fuck, c'est un anus ou quoi? Putain de merde, mais où je suis? Ah, mais c'est vraiment ça en plus. Oh, les bâtards, ils ont fait un cul. J'ai même pas de shotgun. De shotgun. Attendez, on va sauvegarder. Putain, j'ai même pas de shotgun. Putain, c'est un anus le truc. C'est quoi ce bordel? Non, là, je crois qu'on est là-bas, on est dans la base de double de Deimos, là, je sais pas quoi là. Putain, mais donnez-moi un shotgun là. Shotgun. Ah, ça fait toujours plaisir de recommencer au tout début comme ça avec le pistolet. La bonne époque, quoi. Ouais, là, il y a des mecs. Je suis sûr qu'il y a des mitraillettes et tout. Putain, c'est bien pixelisé par contre. Hein. Je vous avoue que ça me fait un peu mal aux yeux, mais bon, j'aime bien. Bah, vas-y, on va appuyer ici, on va rentrer. Hein. On va rentrer, frérot. Putain, lui, je vais le tuer avec un pistolet, ça va mettre des heures. Ça, ils sont pas si difficiles que ça, hein. Même le boss là, il était pas terrible en vrai. Hein. Putain, mais merde, enculé! Est-ce que ça le touche? Je vois même pas de sang s'enlever de sa tête. Ah ouais, ça le touche. Tu vas mourir, bâtard! Ouh là là, c'était le gunfight le plus lourd du monde. On va quand même sauvegarder. Et là, il y a de la life, là, il y a de la life. What the fuck? C'est quoi cette base là, putain? Comment vous allez me donner un shotgun là? Tu vas mourir toi, enculé! Ouais, putain, ça fait un bail que j'ai pas filmé là. Ça fait... Ben là, j'ai mon cinquième épisode qui est même pas encore sorti. Je l'ai en stock. Faudrait que je fasse le. Faudrait que je fasse le montage. Enfin, il faudrait que je mette l'audio sur le gameplay quoi, c'est tout. Mais ils font peur ces visages là. What the fuck, c'est quoi ce bordel? On va s'en garder, flemme de refaire, hein. Tu connais. Là, il y a le shotgun sûr, certain. Ça me fait. Oh putain, il fait quoi? Ça me fait chier parce que. Parce que j'ai pas de fusil à pompe. Et ce mec, je vais le tuer pendant 2 heures. Ah, mais ça. Bon, tu vas me le passer, toi? Ah ouais, chaud, chaud, chaud. Vas-y, cours, 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 je vais te tuer. Et il est con, hein? Ah putain. Et, ah putain, il a pris son élan en fait, c'est pour ça. Et un deuxième. Merde, putain. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Tiens, enculé! Ah, ah, ok. Donc on va pas passer par là pour l'instant. On va faire ça. On va récupérer une arme là. Voilà, le shotgun, il est là. What the fuck? Non! Non! Cours, 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 cours! Putain! C'était un piège! Ou j'ai pas fait. Je suis allé trop lentement. Ou c'était un putain de piège. Bon, on va retourner. On va retourner dans le passage. Hein. Je sais qu'il y a de la vie. Ah ouais, mais c'est fait exprès, parce que là, il y a de la vie. C'est juste pour que tu récupères le shotgun. On va quand même. le shotgun. Tu vois, là, il te donne des munitions. On va quand même lui dire, on va le niquer avec le pistolet. Tu vois, on va jouer avec son aggro. Allez, dégage. Bon, il est bizarre ce niveau. Hein. Enfin, ça commence bizarrement là, le troisième chapitre. Hein. Là, c'est le deuxième ici, normalement. On va sauvegarder. J'ai que 10 balles, normalement, ça suffit. Hein. Voilà, c'est 2 balles tranquillement.
Allez, dégage. Il me touche même pas, ok? Bon, let's go. Putain, mais ils font peur ces visages sataniques là. J'imagine pas à l'époque comment vous devez. Vous avez peur à l'époque. Ah, ok, ok! J'avais pas parlé, je suis KO, j'ai faim. Il est midi, putain, j'ai pas mangé, let's go! Oh putain! Allez, let's go! Ah, vous devez avoir peur à l'époque, hein. Franchement, avec ces putains de trucs sataniques là. Regarde-moi ce visage, putain, je vais pas dormir cette nuit, hein. C'est déjà la fin du level! On va prendre la life. Putain, après, c'est le premier level, hein. Ah ouais, je crois qu'on est dans le. Ouais, ouais, on est dans le dernier truc, hein. Regardez-moi, c'est le level de ouf là, il y a les prisons, il y a la prison au milieu. Ok, on a fait le premier truc, et là maintenant on est dans entre deux rochers à gauche, là, en bas à gauche. Putain, il y a beaucoup de niveaux. Hein. Sauvegarde, putain, on va galérer à se le faire ce niveau, ça va être chaud de ouf là. Enfin, à se faire ce chapitre. Allez, let's go. Bon, je vous avoue que. Tu dégages. Le deuxième Doom là, parce que je vous ai dit que j'allais faire les trois. Merde, putain, j'ai plus de balles. Je vous ai dit que j'allais faire les trois, mais je vais pas les faire à la suite, hein. Le deuxième, je pense, c'est dans, je sais pas, dans 3 ans, 4 ans. Hein. Je vais le faire, non, je pense, dans 1 an et demi, un truc comme ça. Histoire de, tu vois, de digérer, comment dire, de m'en remettre, quoi, de ce putain de Doom, là. Et là, vous regardez, mais il faut jouer à ce jeu, là, pour comprendre. Mais regardez-moi ça, je me fais démonter l'anus. Et je suis sûr que j'ai même pas sauvegardé. Ah non, ça. Je crois qu'il faut que je les tue un par un. Hop là. Tac. Lui aussi. Putain, j'ai trop envie de regarder Death Note là. Le mec, il a la... le truc, il a rien à voir. Il y a un mec, là. Toi, tu dégages. C'est un labyrinthe le truc. Ah, il faut prendre les petits espaces comme ça. Hop là, dégage. Let's go! À gauche, à gauche! Eux, ça, je les one shot. En plus, ils me donnent des munes. Ça, c'est cool. C'est ces putains de crânes, quand ils te touchent, ils font chier. Hein. Hop là. Putain, c'est qui? Qui me bloque là? Ah, c'est un mec en robe. Oh, je déteste. Je déteste ces putains de mecs invisibles là. Qu'est-ce qu'ils me font chier? What the fuck, c'est quoi ça? Dégage toi. Ça, c'est un labyrinthe. Où suis-je? Où suis-je? Elle est où la sortie? Elle est... Ok, on va reprendre le pont parce que. Mais j'ai pas que je suis au début là. Ah non, c'est bon. Ah ouais, j'ai récupéré une key. Une key. Il y a une clé bleue là, j'ai récupéré. Ça c'est cool, mais j'ai pas eu de porte. Putain, ça commence à être chaud ce jeu là. Parce qu'il y a beaucoup de monstres, mais pas beaucoup de munitions au début. Hein. Ils arrivent pas à me viser, c'est comment? Et ils meurent pas ou c'est comment? Putain, oh, je le brain. Putain, mais c'est quoi ces gunfights là dans ce troisième épisode, putain. Allez, les verts. Verts, fils de pute. Merde. Mais non. Et j'ai même pas sauvegardé, mais va te faire foutre. Putain, allez, on va recommencer. Là, y'a un mec là au fond. Hein. Donc là, y'a la porte rouge, mais moi j'avais la clé bleue. Tu vas me laisser tranquille! Putain. Wesh. Wesh! Putain, j'ai. Je sais pas où aller là, bordel de merde. Bon, on va garder la mitraille pour l'instant. What the fuck? What the fuck? You, ce putain de. Ah, ok. C'est là? Non, même pas. Là, il y a la clé? Non, c'est pas ça. Ah merde, je retourne au début, quel noob! Il y a un mec là. Oh putain,
J'entends un truc. Le retour des grosses têtes. Et bon, avec la mitraillette, ça va vite, hein. Voilà. Plus il a lâché de l'armure. Ah non, même pas. Ok, on va se regarder parce que flamme de refaire. Ouais, est-ce qu'on va, on va essayer de retourner prendre la clé déjà. Il me semble qu'elle était, elle était par là. Hein. Ouais, elle était à gauche ici là. C'est un labyrinthe ce putain de jeu là. Elle est là la clé. Mais je n'ai pas vu de. Je n'ai pas vu de. Comment dire. De porte. Mais ils font vraiment chier hein, parce qu'il faut je sais pas combien de balles de mitraillette. Ah, j'ai débloqué un truc comme ça. Ah ouais, elle est là, la porte. On a juste regardé. On prend la vie, on prend la vie. Il faut que je tue ce crâne, il faut que je tue ce crâne. Putain, mais pourquoi il vole le mec? Ça fait penser au truc là dans Minecraft, là, comment ça s'appelle? Les gosses, je sais pas quoi là. Dans l'enfer là, l'Ender, je sais pas quoi là. Enders. Ça fait grave penser à ça. Que j'ai des trucs là, tu les tues avec l'arc. Sauf que là, on utilise le pompe. Putain. Je prends tellement cher, c'est ouf. Bon, on va se la prendre cette porte. J'espère que c'est une porte. Hein. Et ça fait quoi du coup? J'en étais sûr. Oh, bien, mec! Putain, mais. Meilleur! Déjà que t'es invisible, tu casses les couilles à tout le monde là. Douleux. Ok, là il y a de la live, je suppose. Peut-être un piège. Ok, c'est bon. Donc c'était juste pour ça en fait. Il y a un crâne ou je rêve? Oui. Tu ne rêves pas, mon ami. Let's go. Dégage. Sauvegarde, ok. Là on a activé ça. Ok, maintenant je pense qu'il faut ben, aller vers la droite. Hein. Logiquement, peut-être ici. On va se regarder, je sens le piège, si on va faire. J'aurais dû garder ma mitraille pour eux. Puis ils font tellement mal ces bâtards. Allez, dégage. Il me reste un PV. Avant j'arrivais à les esquiver, mais maintenant j'ai l'impression qu'ils sont plus coriaces. Plus coriaces. Putain mais... Il y en a combien? Ok, je gère avec un PV les gars. Lui s'il me fonce dessus, je meurs. Heureusement que j'ai sauvegardé. Ok, je cours, je cours, je cours. Putain mais il est vénère ce mec. Tu vois tu le prends comme ça, voilà direct. Ok je sauvegarde. Donne-moi de la vie s'il te plaît. Ah bah elle est là la porte bleue. Un piège encore une fois. J'entends des bruits, on dirait des zombies de Minecraft. Ok là il y a la life. Ok putain, on avance. Ah bah on a fini. Ouf putain c'est rien que le deuxième niveau. Le deuxième... Putain j'arrive à parler, je suis KO. Ah c'est plus... C'est déjà le deuxième niveau du chapitre, c'est ouf. Mais il y en a combien? Attends là il y a la prison au milieu. Et attends il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Il y a 7, 8 niveaux, je pense. 7, 8 niveaux. Allez, let's go pour la prison. Je sais pas si je le finis maintenant. Je pense que ça va être un épisode assez court ou à 10 minutes. Vas-y, on va essayer de le finir, là. Celui-ci, après, j'arrête. Non pas que ça m'a gavé, mais c'est que j'ai faim, là. Je suis pas alimenté, j'arrive plus à parler. Ok, là, il faut la box. C'était pas écrit, il fallait une key. Ah non mais c'est là où je respawn, où je spawn. Ouais bon. À gauche ou droite, qu'est-ce qui m'inspire confiance? Personne. J'ai vu on va le tuer, ok. Voilà à gauche pour l'instant. On va voir un peu ce qui se passe. Ça. Bon il se passe pas grand chose, hein. Il y a quelques monstres. Faudrait que je vous fasse un display sur Game Dev Tycoon. Il est énorme ce jeu, je kiffe. Bon après je l'avais craqué, tu sais à l'époque j'achetais pas mes jeux, tu vois j'étais petit et tout. Enfin il y avait pas d'excuses mais ouais j'étais petit. J'avais craqué le jeu et il y avait une version d'un crack
où c'était les développeurs qui ont mis ça en ligne en fait. Et au bout d'un moment, quand tu crées ton entreprise de jeu et tout là, au bout d'un moment, tu fais faillite parce que en gros, il y a des gens qui craquent tes jeux. C'est vraiment ingénieux de leur part, hein. C'est grave cool. Par contre, il y a un bruit bizarre là. C'est moi ou j'ai plus de balles de pompe? What the fuck? Ça me fait bien peur ce jeu, hein. En vrai. Regardez-moi ces visages là. Après, le seul monstre qui est badass que je trouve, c'est le Minotaur, celui-ci là. Et les crânes, les grosses têtes, mais sinon les autres là, ouais, ils sont bizarres. Ok, ça dégage. Pour l'instant, on s'occupe de... Bien chaud, c'était un mec à gauche. On s'occupe de vider les niveaux, comme ça au moins je peux revenir en arrière si j'oublie un truc, tu vois. Hop là. Let's go. On est revenu au début, je pense. Si tu dégages. Là, il y a une porte bleue. Ouais. Ok. Là, j'ai l'impression que c'est des passages secrets. Ah bah, j'ai activé ça. Est-ce qu'il y a la clé ici? Non, même pas. Ça, c'est le secret. Ok, bon, voilà. On va ici. Je pense que... Une petite clé m'attend, j'espère. Gauche, droite. Ah, je me suis perdu, là. Est-ce que je vais pas à gauche, là? Je sais pas. Est-ce que c'est pas le début, ça? Eh oui, c'est le début. Hop là, on va là, ici, normalement. On va se la choper, cette putain de clé. Ah, je suis déjà venu par ici. Eh oui, putain. Ok, ben c'était pas ce chemin. Putain, ça devient des... T'as ce que dire, putain, putain, putain. Ça devient des labyrinthes, là. Hein. C'est ouf. Ici. Allez, allez, ça dégage! En tout cas, il m'a bien marqué ce jeu. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Là, je parle comme si c'était la fin, alors qu'il me reste tous les niveaux à faire et le chapitre bonus. Putain, il y a des bruits chelous là. What the fuck? Oh putain! Le retour de la pole dance! Le retour! Il est où? Le retour de la pole dance. Allez, André, il danse avec des. Oh, l'esquive! L'esquive! Il est mort? Yes. Non, même pas. J'ai plus de balles dans rien! Non. Même dans le pistolet? Non, mais non, il y a un souci. Est-ce que je sauvegarde ou pas? On va essayer de choper les. Oh putain, la pute. J'ai pas sauvegardé en plus. Là, il me reste 13 balles. Est-ce que je tente. Je cours comme ça et je vais choper une balle. Des balles. Cours, 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 cours. Voilà, j'ai chopé 3 balles. Il y a un truc satanique ici. Là, si je suppose, c'est un secret. Là, il y a un putain de truc satanique, ok. Là, il y a plein de portes, j'ai l'impression. Attends, je vais vite prendre des munitions. Putain, j'ai bien joué là. J'ai fui le truc. Oh putain! Fuck! Oh le crâne, qu'est-ce qui me casse les couilles? C'est quoi qui me tire là? Ah, c'est lui depuis tout à l'heure. En gros, le mec me tue. Il me tue en un coup en fait, avec cette putain de. Tiens, c'était putain! Quand je suis prêt, en fait, il fait très très mal. Il casse les couilles, ils vont mettre des boss dans les niveaux et tout maintenant. Cassez-vous, il me prend bang bang! Putain. Putain de merde. Putain, j'ai 188 d'armure. Hein. On se casse, on se casse, on se casse, on va là. Et là, lui, il va mourir. Toi, je t'esquive ta putain de balle. Je me casse, je vais à gauche. Je vais à gauche, je vais à gauche. Je passe par les flammes. Et je prends l'autre roquette. Nickel, je sauvegarde vite. Là, j'ai tout pour moi, là. J'ai les munitions, j'ai tout, là. On va quand même pas les utiliser. Ah, j'ai 30 balles ici. En fait, il fallait faire ça, il fallait courir.
Là, il y a de la mine. De l'armure, pardon. Je saute pas pour l'instant, je saute pas en bas. On va un peu nettoyer le niveau, l'environnement. D'ailleurs, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Gloria Victus. C'est un putain de MMORPG multijoueur. Enfin, c'est le but d'un MMO, putain. Je suis con. Et du coup, c'est sur le thème médiéval. Mais il n'y a pas de magie ou quoi, c'est vraiment genre comme à l'ancienne, quoi. Tu te bats avec des armes et tout. T'assièges des. T'assièges, t'as dit? Je sais pas. Ouais, t'assièges des châteaux. Normalement, ça se dit, hein. Je suis pas sûr, j'ai. J'invente des mots. T'assièges. Je viens de Bruxelles. Allez, dégage-toi. Putain, mais. Oh, les crânes, ça commence à devenir mes mobs. Mes mobs. Que je déteste le plus dans le jeu. Ok. Bon, maintenant, on a de la mine. On peut se permettre de revenir. Et de tuer ce satané boss là. Ah, mais quand je cherche dans sa boule, ça l'explose. Il va mourir ce satané. Ce satané. Oh, l'esquive, je me casse. Je save. Ces putains de trucs Illuminati. Il est mort. C'est lui, non? Ah non, putain, c'était pas lui. Il est là! Ah putain! Là là! Putain, il cassait les couilles! Là, il doit avoir un piège, un secret, non? On va revenir sur nos pas. C'était ici que je voulais aller, ok. Là, il y a plein de portes à faire, non? Même pas. Oh, je l'ai esquivé! C'est qui m'envoie des boules, là? On dit comme ça fait bizarre, mais. What the fuck, putain, je suis perdu. Je suis perdu. Va à la gauche, ici, là. Ah putain, c'est le début du niveau. Ok, et là, ici. Ah ouais, je vois, en fait, c'est un putain de labyrinthe ce level. Putain, mais il faut que j'arrête de dire putain, putain. Moi, j'appuie ici. Ça baisse un truc. Et tu vas dégager. Merci. Ah voilà, ça fait un passage secret. Non. Non, oui, non, oui. Ah, ici. What the fuck, c'est quoi ce truc? J'aurais dû récupérer une clé, je suis sûr. Ok, c'est pour des munitions. C'est obligé qu'il y a un truc là. C'est de la life. Oh putain, bien. Oh, les crânes, ça commence à me les péter, hein. Je tire à côté. Voilà, comment on perd toute sa vie pour rien. Donc là, c'est quoi le but de ça en fait là? Ok, et là il y a un autre. Voir ce qui se passe. Il y a un crâne, ok. Putain, mais. Avant, ils n'étaient pas vénères comme ça les crânes. Hein. C'est ouf. Je peux passer par là, sûr. C'est sûr, et certains, j'ai dû sauvegarder. Si là. Putain, crâne. Ça s'ouvre pas ici. Ok, on m'emmène ici. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a une porte ici? Me dis pas que c'était juste. Dis pas que c'était juste pour la munition. Non, n'importe quoi. Il doit y avoir un truc là. Est-ce que j'ai pris une clé? Non, même pas. J'aime bien si c'est juste pour ça. C'est bizarre ça. Ouais, ok. Ça emmène où ça? Ah, ok, ça mène ici. J'ai trouvé le passage, je crois. Ouais, c'est là. Ah, c'est bien caché ces levels, hein. Ok, on va descendre. Ok. What the fuck, c'est quoi ce truc? Ah, parce qu'il y a un mec invisible en fait. Oh la merde. Putain, mais. Donc je peux pas récupérer ça. Putain, mais quel. Attends, là il y a de la vie.
J'arrive pas à comprendre le but de ce niveau, hein. Je comprends pas. Il n'y a pas de clé à récupérer? Que là je suis invincible. Et du coup ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de, à part voir, de voir comme ça? Ah, il y a une porte ici. J'ai venu ici. Et là, est-ce que je peux me déplacer? Là, c'est pas un passage secret ici? Ah voilà, il faut la clé bleue. Ok. Bon, si tu peux t'enlever les couleurs bizarres là, s'il te plaît, ce serait cool. Merci. Bon, voilà, on va essayer de la choper la clé. Clé bleue. Elle doit être bien quelque part. On va retourner un peu en arrière, au-dessus. Il y a de la vie. Putain, c'est quoi ce truc? Ah ouais, putain, c'est un engin de la mort. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est un putain de... Je dois aller... Ok. Limite, tu fais le jeu sans sauvegarder. À part si tu connais par cœur les passages, c'est la galère. Bon, j'ai réussi à trouver le passage secret. Enfin, le l'arme. On se casse, mais moi ce que je veux c'est la clé en fait. Oh merde, c'est pas là. Ce que je veux c'est la the key, the blue key, ok? J'ai un accent. Je travaille mon anglais là, ça va plus. Tu vois là, il y a la porte bleue. Putain, je galère! Hein. Ah là, cet épisode c'est l'épisode de la vulgarité là. C'est ouf. C'est l'épisode de la vulgarité. Vas-y, on va retourner au début là. Au début là. Elle était pas là cette key là? Ok, on retourne tranquillement, on a le temps, en soi, on a. Heureusement qu'on a vidé un peu les levels. Hein. Ici, je suis pas allé, il me semble. Mais si, c'est la même. Ils sont là, ces bâtards. C'est sûr qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est obligé. On va toutes les faire. Hein. Mais là, il y a... Oh là là, il y a un passage ici. Je suis sûr qu'elle est là, la clé. Vu qu'il y a un truc... Il y a les trucs... Putain, ça me... On dirait que je prends l'électricité, là. L'électricité. L'électricité. Ok. Mais est-ce que je suis allé ici? À droite, là. Tu vas me dire que je l'ai pas trouvé? Ah bah, ça va être là. Pourquoi je peux pas me jeter? C'est qui me fait... Il y a un mec qui me fait des dégâts là, je comprends pas. Putain, j'ai réussi. Je laisse pas sauvegarder là. Merde, ça va. Attends, mais y a pas un truc à faire ici là? Dis-moi où tu es la key bleue. S'il te plaît, putain, elle est où? Elle doit être par ici, c'est sûr. Ah, il y a un passage secret du coup. Là, ici, je suis sûr qu'il y a un secret. Mais... Ah ouais, là. Putain, mais c'est un putain. Ah, mais, oh, mais qu'est-ce que j'ai à dire, putain? Putain. Vas-y, vais abandonner ce jeu de Allez, allez, sérieux, non, sérieusement, allez. Ici, il y a pas un truc. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré. Je suis sûr qu'il y a un passage secret ici, je vais sauvegarder. Comme ça, je meurs. Voilà. Là, il y a putain de truc satanique. Là. Je sais pas, il y a de la chair, on dirait un kebab le truc. Oh là, c'est cool, ça y est, de la life. Bon, on retourne, je suis sûr que j'ai raté un truc. C'est même sûr et certain. Tu vois, ici et tout, là. Enfin, là, je l'ai fait. Tac. Ok, là, je l'ai fait.
Ah, donc on doit retourner, ok. Putain, mais ça me fait chier quand je suis perdu comme ça, là. Ici, je la vois pas, la clé, là. Ok, on retourne, c'est pas si grave. Ah, mais le truc, c'est qu'on retourne au début. Ah, elle est bien quelque part, là, la clé, hein. Je suis vraiment désolé. Là, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Puis j'ai grave faim, putain, ça m'a gavé. Je suis gavé. Oh, c'est pas grave, on retourne pas là, c'est le début. Oh. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je retourne au début, en fait, ici, là. Ça doit être un truc tout con, hein. Ça doit être un truc tout con. Et là, je vais être obligé de. Putain, chier. Là, il y a des mecs, je suis sûr que je peux passer par là. Les portes ne s'ouvrent pas, je comprends pas. Ici, c'est là. Là, il y a un truc, ok, je sais pas quoi. Ça, c'est casse les couilles, hein. Là, c'est le début. Là, c'est le milieu. J'ai déjà appuyé, ça, c'est. Tu rentres ici, c'est des trucs chelous comme ça. Attends, on va de l'autre côté, on sait jamais. Je suis sûr qu'elle est là, putain. C'est moi où j'ai trouvé un putain de passage. Ah! Fuck! J'ai trouvé ça. Putain, on dirait un film de cul, là, pardon. J'ai trouvé ça par hasard, bordel. Putain, je vais directement te regarder. Je vais directement sauvegarder. Et là, je retourne comme ça. Merde, je suis tombé. Shit. Et du coup, là, Du coup, on fait comment, là, maintenant? Ah, c'est bon. Allez, let's go. On a la clé, on se casse maintenant. Putain, enfin. C'était tout simple en fait, elle était au début. Maintenant, comment trouver la porte bleue? On va faire le chemin. Non, logiquement, c'est par là. On va tout refaire, c'est pas si grave. Ok, là, tu passes par là. Tu vas par ici, hop, hop, hop. Là, il y a un mec, il n'en a même pas. J'espère qu'il n'y a pas d'autre histoire de quai à prendre, hein. Voilà. Voilà, putain, on avance tranquillement. Enfin. Allez, ça dégage. Hop là, vas-y, on avance, on avance, on n'a plus le temps, là. Ah, mais voilà, c'est la fin. J'espère que c'est pas un troll. Voilà, putain, oh là là. Il me faut une pause, là, il me faut une pause de Doom, là. Ah, putain, je suis KO, putain, je fais 85. What the fuck, je fais 83 secrets. 83 secrets, j'ai mis combien? 15 minutes. Du coup là, 4, ouais, j'ai fait la moitié. On va se laisser là, les gars. Je vous dis à la prochaine, c'était Akane 3. Je suis désolé pour les insultes et tout dans cet épisode, mais là, j'étais vraiment. Je suis fatigué, j'ai faim là, ça va. Voilà quoi. Voilà quoi. Allez, vas-y, les gars, à la prochaine et abonnez-vous si vous voulez. Moi, je me casse. Bisous.